chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux décès. Le mauvais visage comme la vie de décès. Et alors? Déjà, tu as commencé, tu étais ici en Suisse, là. Trésorier du RDPC à Bâle. Tu as volé l'argent de la caisse, on t'a chassé. On va le juger. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. C'est mon direct, oh. C'est mon direct. Si ça te plaît, fais liker. Si ça te plaît, madame, il faut le faire. Viens voir mon lecteur. Si ça te plaît, madame, il faut partager. Mais ça te plaît, papa, tu dégages de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je veux avoir mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Ce n'est pas un cas, je fais mon direct sur mon micro. Ah ouais. Au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son tube, mais il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne. Les cœurs pour la veuve. Ouais, DJ veuve, DJ. Moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je vais leur demander que. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui non? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui non? La star, c'était son télé jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victor. Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, sur chacun a son couleur de rue. Chacun son téléphone, hein. Dans la musique, Samuel et toi aussi au football. Frédéric, la paix déjà réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale. Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je veux encore demander que. Toi, c'est qui? Tu es qui? Tu es qui, non? Toi, c'est qui? Tu es qui, non? Marseille, Québec, ce n'est pas un flash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le tien, c'est un coup, tout le monde va t'abandonner avec ton fils. Ah! J'ai juste à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tien. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Fais le direct. Fais le direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je veux avoir mon iPhone. Yeah. C'est mon direct. Je veux avoir mon iPhone. Si ça te plaît, faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi le cœur. Si ça te plaît, mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être ska. Même ça fait les deux, fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longueuil, fais le direct. 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 Filmez-vous. Ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le Rodrigo Mano Sabi. Ne confondez pas le rituel à la Myrienne. Enams, on s'abuse. On s'abuse. Oh. On s'abuse. Ah non. C'est flic. Maman, c'est flic. C'est flic. Ah, en direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Ah, oh, la vie est beau quand même, hein. Franchement. Le mauvais visage comme la vie de décès. Déjà, tu as commencé, tu étais ici en Suisse. Trésorier du RDPC à Bâle. Tu as volé l'argent de la caisse, on t'a chassé. Je n'ai jamais pris l'argent du RDPC. Et toi, tu étais le trésorier du RDPC, jeune à Bâle.
petite, on t'a seulement donné un peu l'argent de la PESPA de tout, mais on t'a chassé. Tous les mamans ont dit qu'on ne veut plus te voir. Les mauvais, dans le BIC et le papier, je n'ai jamais été trésorier du RDPC. Quoi? Je répète, je n'ai jamais été trésorier du RDPC. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais c'est un écrit jaloux. C'est-à-dire que tu regardes, quand tu regardes son visage, c'est le visage de la haine. Ici là, c'est monsieur propre. Voilà les haineux qui ont contaminé le Cameroun. Pendant ensemble là. Moi, je suis monsieur propre. Vous ne m'en pouvez pas. Qu'on veut à tout prix salir. Mais c'est aussi la haine qui. C'est-à-dire que la haine l'habite tellement, ce gars-là. Il a la haine en lui. Les gens parlent de quoi aussi, tu viens parler. Toi, tu es même lui. Tu sors même nous. Tu es même quoi? On t'a dit même qui t'a même menti. Parce que vous avez constitué des petits groupes là. Maintenant, quand tu es en direct, on flippe le frère du village, on bip tellement divédé. Tu crois qu'un message, tu n'es rien. Tu n'es qu'une menteuse. Tu ne fais que ça. Pendant ensemble, chaque fois que quelqu'un me tente sur les réseaux, il m'a fait l'amitié là-bas. À Kondengi, là-bas, on te connaît, tu volais, on t'appelait la souris. Tu es en train de voler, tu es dans le vol. Tu as grandi dans le vol. Le vol et le mensonge vont de pair. Les gens qui viennent même te croire, je ne sais pas. À bien, j'ai connu ta triste vie ici. À bien. Tu ne faisais que voler. Quand tu prends un client, tu voles. Parce que toi, on te reconnaissait comme quelqu'un qui accompagnait pour les partout. Parce que toi, personne ne t'a aimé. Quel est l'homme noir qui t'a déjà mis là? Il n'y en a pas. Il y a un seul qui a essayé à l'époque que je connais. Mais il ne peut même pas se déclarer. Tout le monde te fuit. Regardez comment il se comporte. Vous allez voir quelqu'un, à chaque fois qu'il est avec quelqu'un, il va aller chercher les problèmes. Il va regarder que non, tel a les fois avec elle, il parle derrière elle. Dès que ça se date, il repart. Tu es venu ici à la vieillesse, tu trouves un masque kenyan qui te sort de la précarité. Toi aussi, tu commences à venir parler fort aujourd'hui. Tu peux présenter, comment on appelle, un contrat de bail ici en Europe que tu habites quelque part, tu payes. Si tu ne fais pas le mariage là-bas avec ta kenyan qui t'a amené chez son mari, comme toi, tu es le mari de la kenyan, mais je te dis que ton truc en plastique là, je vais enlever sa service, ça va vous fouetter tous les deux. Je vais déchirer ça parce que ça ne tient pas. Regardez comment il se comporte. Il fait semblant d'être homme de fait monsieur. C'est un monsieur haineux. Le travail qu'elle sait faire le plus sur la toile, jeter les gens à la vérité populaire et dans le mensonge. Dès que vous avez les problèmes avec lui, que quand vous attaquez, il va aller faire l'amitié là-bas. Pour arranger la haine. Je vais te rappeler une chose. C'est mauvais. Il faut expliquer aux gens pourquoi l'homme et toi vous êtes gâtés. Parce que c'était ton ami. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Ne fais pas que je parle de toi. Voilà, quand vous regardez les gens sur les réseaux sociaux, regardez comment ils se comportent. Pourquoi tu ne suis pas? Est-ce que quelqu'un commentait sur ta page plus que l'homme Kameni? Kameni dormait sur ta page. Vous étiez de très bons amis. Pourquoi ça s'est gâté aujourd'hui? Moi je ne comprends pas. Hein? Moi je ne comprends pas comment une femme peut supporter un homme qui se place là comme ça. Il remplit sa petite télé en train de se battre avec les femmes. Oui, voici le calaisson de tel. Oui, tel avait dormi chez moi. Oui, tel, voici le truc fiscal de tel. Oui, c'est ceci. Même pas un homme de 30 ans, 40 ans, non. Un monsieur qui va 70 ans. Avec la lame sur la tête, il est ici sur Facebook. À bavader. Attends, quand je fais ça, tu ne vois pas? Je porte le fer. Je rigole pas? Hein? Je porte le fer. Hein? Je fais les pompes. Hein? Et je finis par le cocotier, comme d'habitude. Là, c'est mon dessert. Mais ça, c'est quel vieillard qui est. Attends, c'est pour nous, il manque de respect comme ça là. C'est mauvais. Menteuse, un jour, menteuse, toujours. Déjà, tu as commencé, tu étais ici en Suisse là. Trésorier du RDPC à Bâle. Tu as volé l'argent de la caisse, on t'a chassé. Donc, tu as dit que moi, j'ai volé l'argent du RDPC. Oui! Attends, viens. C'est toi qui étais le trésorier du RDPC, jeune à Bâle. Petite, on t'a seulement donné un peu l'argent de la caisse, toi, depuis, mais on t'a chassé. Tous les mamans ont dit qu'on ne veut plus te voir. Bunga. L'aide comme la vie de dessin. Tu viens me parler, on se connaît. On est au même niveau. Quel est cet homme qui est ravi de se placer avec les femmes matin ou soir? C'est quel travail ça? Tu n'as pas à faire, mon frère. À ton âge, mais putain, laisse les réseaux sociaux. Non. Les vrais garçons sont en ce moment en train de lutter pour le Niger. Les vrais garçons sont sur le net. Moi, je les vois partout, hein. En train de lutter pour l'émancipation de l'Afrique. Non. Les garçons avec les vrais Nimbap sont en ce moment en train de mobiliser pour que l'Afrique ne soit pas attaquée. Non. Moi, je vois les vrais garçons sont là-bas. Mais qui est ici dans le Congo, ça venir? Mon frère, c'est comment? Toujours derrière moi, il y a quoi? Tu ne peux pas vieillir un peu et respirer comme en 2021, mon frère. Les vrais sont avec les Nimbangs, sont en politique. Je ne suis pas dans les bajos là. On est dans. Ici là, c'est monsieur propre. Pendant ça, tout le monde il a voulu faire les problèmes avec plaisir, mon. Que tout le monde il a ramassé tous les gens qui combattaient plaisir, mon. Il l'a mis derrière lui. Et ça part un à un. Tout le monde il voulait le clash avec plaisir, mon. La haine. Tu vas trouver ce que tu es venu chercher sur Facebook. Continue. On ne peut pas vivre avec la haine, on ne peut pas vivre avec les haineux. Moi j'ai pris ma route, j'ai dit que tu n'es pas mon ami, j'ai pris ma route. Je ne veux plus entendre parler de vous. Mais chaque fois, vous cherchez toujours à avoir des gens. Qui me combat, vous cherchez à avoir des gens qui veulent parler de ma tête. Chaque fois, il n'y a pas un de vos lives où mon nom n'est pas dedans. N'aime pas le mensonge. Il n'y a pas un seul live où il n'y a pas mon nom dans vos choses. Je suis monsieur propre, ne me salissez pas. À chaque fois qu'il y a un problème avec quelqu'un, que peut-être je me tente avec toi, vous devenez ami avec la personne. Est-ce que c'est normal? Ça c'est l'esprit. Peut-être regardez bien l'esprit de la haine sur les réseaux sociaux. C'est cet esprit-là. Où quelqu'un est toujours en train de suivre ceux qui veulent faire du mal aux autres. Dieu merci, comme si l'enfant de Dieu, à ce gars qui joue et ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux. Quand moi je le sors, tu deviens mingili, tu deviens rien ton. Tu vas d'abord te cacher avec ton mensonge. Moi je ne fais pas le aide-moi de l'esprit. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis ça. Une place. Je ne cherche aucun renfort. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, c'est une place, pas de renfort. La famille, comme on a essayé de coller toutes les étiquettes à monsieur propre de Facebook. Hein? Le Samuel Eto'o de la toile. C'est lui qui est venu pour remettre les choses en ordre. Mais comme il y a trop de menteurs, de magouilleurs, d'arnaqueurs, de voleurs, de menteuses et de waka, le simple fait que je me suis attaqué au waka, elles ont fait un bloc. Mais pourtant, la vérité est têtue. Retour
à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre anglo des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, l'amoukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais, tels que les bobolos, les miondos, les chinois, les arachis, les prunes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Amérique de Mbalombol en Belgique. Le pays. Voilà. Comme tu insultes les femmes, moi j'ai dit que la prochaine fois que tu vas m'insulter, c'est ton épouse que je vais insulter. Hein? Elle là, je ne vais même pas l'arrêter parce que toi tu insultes mon mari ici, qui ne t'a rien fait. Et je n'ai pas parlé. J'ai laissé. Tu étais au Cameroun. On t'a inquiété là-bas. Tu es venu ici dire. Mais ça m'a failli me faire. Mais ça m'a demandé que. Deux semaines après, tu as changé de version. Ce n'était plus mes hommes. C'était. Elle m'a fait. Tu m'as dit que. Tu as oublié, je donne les noms. Tu as oublié que tu avais des problèmes avec le journaliste Bia. Que tu avais des problèmes, tu l'avais insulté, tu avais dit des choses. Et c'est un mec qui t'attendait. Je comprends toujours une manteau. Tu vois la grande heureusement. Moi je viens, je donne le nom. Le journaliste a des soucis, des problèmes avec toi. Mais comme le nom de Vessan, tu viens, Vessan a failli. Après, ce n'était pas lui. Je ne sais plus quel autre nom tu as donné deux semaines après. Toujours dans le mensonge. Et tu ne viens jamais rétablir la vérité. Tu continues le chemin. Moi je ne sais même pas les gens qui te suivent. Ton épouse est pas différente de toi. C'est elle-même qui t'encourage à la bêtise. Au début, moi, je me disais que non, c'est une femme qui est peut-être utilisée et tout. Non, mais elle-même, elle est derrière. Elle est plus haineuse que son mari. Elle est plus haineuse que toi parce que tu ne peux pas vivre avec un homme qui passe sa vie à insulter les femmes, leur partie génitale, et tu acceptes ça. C'est ça. Tu ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai vu la dernière fois des captures d'écran sur les réseaux sociaux. Mais c'était le numéro de sa femme. C'est sa femme qui contacte les gens qui me combattent pour demander qu'ils passent dans les lives. C'est sa femme, c'est le numéro de son épouse. Voilà des gens inconscients. Alors, le petit mauvais, tu ne connais rien du tout. Déjà, tu as commencé, tu étais ici en Suisse, trésorier du RDPC à Bâle. Tu as volé l'argent de la caisse, on t'a chassé. Dégage. Ouais, venez. C'est toi qui étais le trésorier du RDPC, jeune à Bâle. Petit, on t'a seulement donné un peu l'argent de la caisse, tu as détourné, on t'a chassé. Tous les mamans disent qu'on ne veut plus te voir. C'est pour ça que tu es dans le conversation avec nous. Parce que tu as voulu faire la police, ça t'a dépassé. Non. Dès que je suis en train de me battre avec quelqu'un, la personne lui fait seulement une petite appel de Bâle. Petit appel de balle, il va courir, aller là-bas. Dieu merci, ça prie, vous savez nous trouver sur les réseaux sociaux. J'ai parlé avec Pifo. J'ai parlé avec l'entourage de Pifo. C'est la famille du village qui le retient. Si ce gars-là ouvre sa bouche, le trimobel va fermer son truc. Une menteuse, à la base, là-bas, alors c'est versé, waouh. À la base, c'est versé. Les noms d'artistes que j'ai les messages. Les amis de la base m'ont donné. Je mets ça ici, tu vas disparaître. Et toujours dans le mensonge. Essaye de constituer un blog où tu as tes choses. Tu as dit où tu fais la musique, tu vois. Parle de ça. Ne rentre pas où tu ne maîtrises pas. Moi, je viens dire que quand j'ai quelque chose à dire, c'est une place. Je ne dis pas, je ne parle pas à gauche, je ne cherche pas de renfort. Je suis sur les réseaux sociaux, une place. Quand j'ai dit, je ferme ma caméra ici chez moi. Je ne cherche pas de renfort. Mais un papa, tu n'arrives pas à t'engueuler, que tu as cherché les renforts. Chercher les renforts, les vues, les likes, les machins, les vues. Mais prends même tous ces vues-là, tu t'avales avec. Non, on s'en fout de tout ça. C'est pas ça qui nous nourrit. C'est toi qui es banquier, mais tu es là, tu as couru derrière les vues comme un enfant, une vieille. Comme une femme qu'on vient de dépuceler. Laissez-moi finir mon thé. Tu es là pour libérer les vues, les lags, les étoiles, comme une femme qu'on vient de dépuceler. Non, mon frère, non, laisse ça. Je te dis que les vrais hommes sont en ce moment où je parle ici, où il y a un tournant en Afrique. Les hommes sont assis, ils disent que luttons pour le Niger. Non, on les voit, on ne les voit pas, on ne va pas les suivre. Tu sens qu'il y a des gens qui ont la consistance, mais toi tu es là. Je vais vous montrer le caleçon de telle qui était venue dormir ici, elle a oublié ça dans mon amour. Son caleçon était gros comme ça là. J'ai pris, j'ai gardé. Papa, une femme oublie le caleçon chez toi, tu as le courage de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais franchement, c'est quoi, je comprends pas. Si ce n'est pas la bassesse, c'est quoi? Est-ce qu'on prend les caleçons des gens, on se promène avec sur les réseaux sociaux? C'est la partie intime des gens. Donc quand vous voyez des papas qui se comportent comme ça là, c'est la méchanceté à l'écart. Tu vas trouver ce que tu es venu chercher sur Facebook. Continue. Moi je te dis que tu me cites encore. Je vais laver ta femme ici. Tu vas pas te. Toi, je vais te mettre à côté. Elle là, je ne vais pas l'arrêter parce que c'est elle qui est derrière tout ce qu'on a là. Tu m'insultes, j'ai insulté ta femme. C'est comme ça. Et son dossier est là prêt. Son dossier est posé prêt. C'est avec toi, moi c'est lui, c'est posé. Moi, je parle pas de choses qui ne sont pas vérifiées. Je finis de parler, je pose les couches. Personne ne va reporter plainte. C'est ça ici sur les réseaux sociaux. Personne ne va porter plainte. Parce que ce sera du sale. J'avais dit que toi, c'est découché. Ne me cherchez plus les problèmes. Tu ne peux pas faire que quand quelqu'un me cherche les problèmes, circule. Ne viens plus sur mon chemin. Parce que moi, tu te bats avec les gens, je ne vais jamais sur leur chemin. Je ne pars jamais chercher le renfort pour te combattre. Et tout. Quand tu as des problèmes avec les gens, je passe comme un taxi plein. Je ne me mêle pas. Parce que je ne veux pas me mêler. Je ne veux pas me mêler. Mais tu m'insultes encore. Je vais insulter propre ton épouse ici là. C'est elle maintenant, comme elle est derrière la caméra, elle va venir nous trouver devant la caméra.
et on va se faire ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui devrait encourager autant de bêtises, qu'on insulte l'unité des femmes. Elle, en tant que femme, elle ne retient pas son mari. Elle dit non, ce n'est pas bien. Elle est assise là, on insulte mon intimité. C'est elle qui est derrière, on dit que Régis, fais comme ça, Régis, fais comme ça, ce n'est pas bien. Je déteste cette sourisée là. Donc la prochaine fois que tu vas m'insulter, je vais m'asseoir sur ta femme, je pose aussi son dossier et puis c'est fait sur Facebook. Oh, mes dossiers sont là sur Facebook, moi j'attends qu'elle ait fait le dossier. On trouve que tu n'es pas normal. Et tu es un désastre pour la communauté camerounaise. Tu es un désastre pour les jeunes qui pourraient croire à tes inepties. Maintenant on va décortiquer le dossier de ta femme parce que tu décortiques les dossiers des gens, tu comptes les calcions des gens, tu laisses les réseaux, les trucs fiscales, les ceci, les cela, les ceci. Que les femmes. Tu ne te bats avec aucun homme. Aucun. Non. Quand les hommes viennent, tu as essayé de tester un peu un mot plat pour l'amener dans la boule, le gars circulait comme ça là, il a du viande. Hé, hey, pardon. Quand le temps appelé, il avait des faux gens. Ça fuit, il t'a laissé dans ta boule là, et puis tu as fui, et t'as embrouillé dans la boule là, tu es resté dedans. Quelle histoire là. Il y a des vieillards comme ça, il veut pas se respecter. Tu es en fait un danger public. Et on devrait être dernier de soigner. Parce que tu ne fais même pas du mal aux gens. Parce que moi, les gens, si tu m'appelles voleur, ça ne me dérange pas, je ne suis pas un voleur. Je crois que sur cette toile, je fais partie des personnes qui montrent ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, on touche comme ça à la vie. Quand j'ouvre ma Porsche hybride, je rentre dans ma Porsche, on me voit que c'est moi. On voit que c'est moi. Quand je me balade dans ma Volkswagen, en semaine, on sait que le monsieur là, voilà son autre voiture. On touche du bois. Quand je suis ici, on voit que le monsieur là, il est chez lui. Oui, je ne sais pas le rêve. Quand je sors, je suis avec mes enfants, on les voit. Qui derrière moi? Moi, je ne te suis pas. Tu ne veux pas. Si j'ai des problèmes avec quelqu'un, laisse-moi dire ça à la personne. Tu ne vas pas, parce que dès que j'ai des problèmes avec quelqu'un, tu te mêles. Tu peux apporter la personne, tu vas sur ta chaîne. Et mon nom est toujours là-bas. Alors que moi, je ne bougeais pas. Je ne bougeais pas. Mon nom est là-bas, mon nom est là-bas, mon nom est là-bas. Alors que moi, je ne veux rien savoir de toi. Ta femme vient, elle fait la régie, les ceci, les cela. Et nous, on est calme. Parce qu'on se dit non, il faut la respecter. Mais comme on va nous tous mettre dans la boue, tu m'insultes encore, c'est elle que je vais insulter. Non. Ah oui, ah, moi, je vais dire un seul comment, pas deux. Ton dossier est posé sur mon pied. Sur mon cas, sur le pied, c'est posé comme le camion, j'ai fermé le pied. Toi là, je ne vais pas t'insulter parce que toi là, tu me gères plus. Mais elle là, comme elle a aussi, on va donner sa part. J'avais dit que je ne parlais plus de lui. C'est comme ça. On va l'apprendre à respecter les femmes. Parce qu'elle ne peut pas être avec un inconscient qui insulte les mères et les pères de famille matin, midi, soir. Et puis on lui dit que non, calme ton bulldog là. Elle ne veut pas calmer son bulldog. Et il est sur Facebook à se pavaner, à raconter n'importe quoi, à salir les femmes. Et on ne dit rien. Parce qu'il y a une dame derrière qui accepte ces bêtises là. Toi là, il peut t'insulter, mais on n'a rien contre. Hein. Toi là, ton bulldog là peut t'insulter, mais on n'a rien contre. Mais nous là, on accepte pas. Moi, on accepte pas qu'il m'insulte. Je ne suis pas son ami. Ça s'est arrêté, je ne veux plus, je ne veux pas de contact, je ne prends de dos avec lui. Je ne veux pas être son ami, je ne veux rien savoir. Mais lui, il me poursuit, il me pourchasse. Zomon Ben est venu, je l'ai amené à Belfort pour aller faire le concert. Elle est partie là-bas pour vouloir détourner petit pays. Jusqu'à masser le pied du père de plus, ça fait cette personne à la gare. Je me suis opposé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as porté Zomon Ben? Allez mettre sur ta chaîne. M'insulter. Fini, parti sur Aïssa Sol. M'insulter à la télévision. Je n'ai rien dit. On a fini le truc, comment on dit, Martinez Zogo. On a commencé à lutter. Ça d'abord commencé contre nous. Après, contre ta veste, contre toi, tu n'as pas reçu. Tu as retourné ta veste, tu es fini. Prendre m'insulter, insulter mes parties génitales, mon mari, mes enfants, tout. Moi, je n'ai même jamais prononcé tes enfants. Par respect. Ta femme, alors, je ne l'ai jamais insulté. Par respect, parce que je me dis, ce n'est pas normal. C'est mon direct. Je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avoir mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avoir mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Moi, ça m'a fait mal de voir que c'est elle qui appelle les gens. C'est elle qui appelle les gens. Dès que quelqu'un, c'est elle qui appelle les gens. C'est elle qui appelle les gens pour venir passer sur les chaînes juste pour des vues. Parce que dans les vues, là, tu fais quoi avec? Les likes, tu fais quoi avec? Moi, cette page n'est pas monétisée, je fais le like quand j'ai quelque chose à dire. Si Nézine l'a dit, je me tais. Tu peux faire deux semaines, je ne fais pas de live. Moi, je ne suis pas là pour chercher les sujets et tout. Si j'ai quelque chose à dire, je dis, si Nézine l'a dit, je me tais. Mais on ne peut pas être là que à chercher toujours, à cogner les têtes, le tchatori, le ceci, le cela. Tout ça, tout un vieux monsieur posé debout comme ça, devant une petite télé, à s'exciter. Hé, elle a oublié son caleçon ici là. Elle a oublié son caleçon ici là. Mais c'est pas possible. On a fait comment avec des hommes avec des couilles comme ça sur les réseaux sociaux? On va s'en sortir. Les hommes sont sortis de ce bas au Niger. On va aller au Burkina. Si tu n'as rien à faire, il faut aller là-bas te battre. J'ai dit que toi, même la politique a dépassé. On t'a seulement nommé petit secrétaire RDPC de Mal. Tu as porté la caisse, tu as fui avec. Tu as fui, tous les membres t'ont chassé, ils ne veulent plus te voir. Petite caisse du RDPC. C'est pour ça qu'on t'a chassé du RDPC Bal. Comme caissier, parce que tu avais volé l'argent. La fête était la fête du 20 mai, on l'a donné. On a continué à donner. Les enfants, ils n'ont rien vu passer. Zimobert, comme tu as dit que j'ai volé l'argent du RDPC, je n'aime pas le faux. Hein. Je n'aime pas le faux. C'est pas 4200. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. On est à 5 000 euros. Je n'aime pas le mensonge. Je suis monsieur propre. Hein. Je n'aime pas le mensonge. Je suis monsieur propre.
Ne me salissez pas. Même si vous me salissez, je viens de nouveau me mettre propre. Toi là, tu vas donner le soir à qui? Tu vas voir d'abord tes dossiers. Toi les gens sont vice hein. Que tu as volé la caisse. Oui. C'est pour ça que la police t'a dépassé. Tu es venu même aider ce que tu veux plus. Tu te promènes comme un esprit perdu là. Quoi, Dédi, insulte-moi encore. C'est ta femme qui vient insulter. Et puis rien. Vous avez jeté les enfants d'autrui ici à la bandit populaire. Vous avez porté quelle preuve? Jusqu'aujourd'hui, les noms que vous avez donnés, quelle preuve vous avez apporté? Et le même travail continue. Continuez ça. Dites-moi mon pied posé sur le caillou. Je vous avertis toujours. Hein. Moi, je ne veux pas les clashs. Il y aura les pleurs ici sur les réseaux sociaux. J'avertis doucement. Tu m'insultes, j'insulte ton épouse. Et puis, malheur. Parce que moi, j'ai des preuves. Moi, ce que j'avais fait, j'avais dit que moi, ne porte pas plainte. Quand toi, tu m'as insulté pendant 2 semaines, mes parties, je m'étale tout, mon mari. J'ai compilé ça, j'ai mis à côté. J'ai dit que non. Ici, sur Facebook, on ne porte pas plainte. C'est bon, j'ai gardé. Donc, quand je vais laver ton épouse, tu vas me porter plainte. On va suivre ça au tribunal. Je vais sortir, je vais seulement donner la clé là au procureur. Que, papa, lisez, c'est lui et son épouse qui m'insultent les parties matin, midi, soir. Donc ne pleure pas. J'avais dit que je ne parle plus de tes choses, mais toi tu es derrière moi. J'avais dit que je ne parle plus de tes choses. Je suis loin de toi. Je t'évite. Mais toi tu ne veux pas m'éviter. Tu ne veux pas m'éviter. Tu es toujours derrière moi. Dès qu'il y a quelqu'un qui me combat, tu viens derrière. Tu lui donnes la parole pour qu'on m'insulte. Moi je ne fais pas ça. Moi tu as été connu ici depuis des années avec les Natacha de Monaco, avec les baveuses joyeuses, avec les bassesses. Est-ce que toi tu m'as vu me mêler? Est-ce que tu m'as vu aller leur dire que venez, je peux aussi faire ça? Je peux faire les teams et tout. Non, mais moi ça ne me concerne pas. Tes problèmes avec ces femmes-là ne me concernent en rien. Tu ne dois pas me mêler. Moi je suis monsieur propre. Mon mabouille, qu'on veut à tout prix salir. Et vous savez pourquoi non? Parce que tous leurs amis sont sales. Voleurs, arnaqueurs, waka, rebuts de justice. C'est ça leurs amis. C'est ce qui les dérange. Et moi je suis entouré que de boss lady. Quand on n'est pas boss lady, on est un employé quelque part. Moi je suis pas entouré de voleurs, ni de waka, ni de menteurs. Non, moi c'est les boss lady. Je les compte, les boss lady. Mais eux, voleurs, arnaqueurs, manipulateurs, waka, rebuts de justice. On veut à tout prix que je leur ressemble, mais je ne peux pas. Mais ça est exactement l'esprit de haine qui vient sur les réseaux sociaux. Il fait semblant de mettre les gens ensemble. Mais à la première seconde, il met la haine. Il met la haine. Le mensonge qui est venu s'installer sur Meta, c'est quelque chose. Quand je suis sorti ici sur Lord Kameni, la première fois que je parle de Lord Kameni, je vous ai posé la question. Pourquoi est-ce qu'on vient demander à Lord Kameni de donner les preuves de ce qu'elle dit? Et pourtant, il y a des gens qui sortent des inepties ici sans les preuves. J.Deming, on a sorti la liste des gens qui auraient pris de l'argent à Mugubeliga. Puis à Mugubeliga aurait donné de l'argent. Sans aucune preuve. Ça a été relayé le dimanche d'après par le Trimobet. Sans aucune preuve, ils ont jeté les enfants d'autrui, ces enfants qui sont morts aujourd'hui, parmi lesquels Kabran Nandjib. Elle ne sait pas que Kabran Nandjib, la mort de ce gars est dans leur conscience. Ils l'ont jeté ici. Ils ont sorti ces noms sans aucune preuve, relayé par votre Trimobet. Le travail qu'elle sait faire le plus sur la toile, jeter les gens à la vérité populaire et dans le mensonge. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il avait quelqu'un, ça finit mal, et il va chercher les gens pour combattre la personne. Vous allez toujours regarder, observer ça tranquillement. Maintenant, il dit que moi, sans aucune preuve, j'ai pris l'argent du RDPC. Relayé par Big Nose, la bouche comme le cul de la poule, Noël Mouboko, menteuse de son état. Elle a relayé, parce que c'est les gens qui se le savent. Et vous ne pouvez pas chercher que, à chaque fois, à pogner les têtes des Camerounais, à créer la haine, à créer ceci, à créer ceci, pour sortir de langue, homme de paix, homme de paix. Oui, j'ai donné ma page à tout le monde pour faire la paix. J'ai donné la page à tout le monde pour faire la paix. Dès qu'il fait un petit truc, ça se gâte toujours, parce que ce n'est pas sincère. Ça se gâte toujours. Ça finit toujours qu'il se retrouve encore dans un clash. À clasher tel, à clasher tel, à clasher tel, parce qu'il est dans le clash permanent. Ce qui s'est passé avec Bobby, il faut que ça prenne les gens sur les temps. Quand ce monsieur était en direct, il était à 4 000, 5 000, 6 000 personnes. Tous les jours. Vous avez vu que vous-même sondez, il y avait presque personne. C'est triste. Moi, ça m'a beaucoup attristé. Parce que je me suis dit, si sur mes temps, on a autant de gens et les gens ne nous comprennent pas, ça veut dire que c'est des faux gens. D'accord. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, je vais parler sous l'autorité de son excellence, monsieur l'ambassadeur, le représentant du chef de l'État en Suisse, monsieur Binzi, à Berne. Dans les années 2008, 2007, 2008, 2009, ouvre tes oreilles, Timobet, pour que la prochaine fois quand tu parles de moi, que tu saches ce que tu dis. Parce que tu n'es pas dans l'histoire. Tu n'as jamais été dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Inscrit en lettres d'or. C'est pas parce qu'on est venu se retrouver sur Meta, où chacun a un smartphone, il vient de des balivernes, et il y a des moutons là qui suivent et qui acclament. Dans les années 2007, 2008, 2009, monsieur l'ambassadeur a constitué une équipe dans tous les cantons. Un très bon travail qu'il a fait. Depuis que M. Didier est un travailleur, ceux qui vont en Berne ont vu. Tout est en ordre. Donc, en cette année-là, 2007, 2008, 2009, il a fait le tour des cantons de la Suisse. Où est-ce qu'on pouvait trouver un leader pour rassembler les Camerounais? Guy Mao ouvre les oreilles. Donc, M. l'ambassadeur a fait tous les cantons. Et dans chaque canton, il fallait trouver un leader. Vous vous rendez compte que depuis 2007, je suis un leader. Seigneur, en 2007, Facebook n'existait pas. Mais on rassemblait. Seigneur, en 2007, je parle sous la haute autorité de l'ambassadeur. De l'ambassadeur, le représentant personnel du chef de l'État. Il a sillonné tous les cantons. Et il fallait qu'il trouve un leader dans chaque canton pour rassembler le maximum de Camerounais. Et pourquoi? Pour justement
lancer l'enthousiasme. Parce que vous imaginez, la Suisse, et en particulier Genève, c'est la ville de cœur de notre papa, de notre président. De notre président, son excellence, Paul Biya, toujours Shoga. Oui, monsieur, c'est le pays qu'il a choisi, c'est le pays qu'il a adopté. Et juste en 2007-2008, le RDPC n'était pas représenté dans ce pays qui s'appelle la Suisse, où le chef de l'État avait ses habitudes. Donc, monsieur Binzi, il a tout fait pour rassembler le maximum de Camerounais et pour qu'ensemble, on travaille. J'ai dit bien ensemble. Donc, nous, il nous a cherché et il nous a donné des missions. Jean-Louis Maison, à Bâle, rassemble-moi le maximum de Camerounais. Et je prends ton frère, Tipi Wabo, avec lequel j'ai travaillé à cette époque. Aujourd'hui, il a choisi un autre parti. Mais en cette année-là, il était celui qui cherchait à Lausanne le maximum de Camerounais. C'était aussi un leader, en 2008 déjà. On lui avait demandé parce qu'il était dans ce groupe que l'ambassadeur avait constitué. Est-ce que tu comprends? Parce que quand vous venez mentir sur les gens, vous dites des âneries et les moutons vous suivent. Donc c'est comme ça que, de Bâle à Berne, à Lausanne, à Genève, je crois même à Fribourg, on était ces têtes-là qui rassemblions les Camerounais. Et le but c'était quoi? C'était de créer la section RDPC Suisse. Pour créer la section RDPC Suisse à Genève. Parce qu'il fallait créer le parti. Le parti n'existait pas en Suisse. Il fallait le créer. Et il fallait commencer le travail par les cantons. Pour que, après les cantons, et que ça parte des cantons pour voter, alors la grande comment dire, section suisse. Les membres devaient faire partie de tous les cantons pour faire le canton suisse. À John Moura, tu ne connais pas. Il vient raconter les balivernes. Donc c'est comme ça qu'à Bâle, j'étais un représentant. Mais je peux vous dire que je parle encore sous l'autorité de son excellence, monsieur l'ambassadeur. Le RDPC ne nous a donné aucun argent. Les gars travaillaient, les gars que j'ai choisis, travaillaient avec le cœur. Parce qu'on était patriotes, parce qu'on voulait faire du bien pour notre pays. On faisait de maison en maison. Téléphone pour rassembler, pour créer la section suisse. Et c'est comme ça que cette section a été créée. Tu as compris, Timobet? Et jamais, ni même monsieur l'ambassadeur, ni le RDPC, je veux dire le grand rassemblement, n'a jamais sponsorisé le mouvement que moi je contrôlais. On le faisait avec nos fonds propres. Parce qu'on aimait notre pays. Parce qu'on voulait rassembler le maximum de Camerounais pour dire au chef de l'État que même en Suisse, vous êtes représenté. Même en Suisse, il y a un parti. Parce qu'il y en avait à travers l'Europe. Et pourtant, là où le président avait ses habitudes, ça n'existait pas. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pour créer la section RDPC Suisse. C'est mauvais au nord. Hein. Et il n'y avait pas, je veux dire, dans ce que je contrôlais, il n'y avait même pas de trésorerie. Parce qu'il n'y avait rien. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque pour faire bien, pour que ça sonne bien à l'oreille. On avait des sous-sections en gestation. Donc on pouvait dire comme ça, de façon orale, que la sous-section RDPC de Bâle, mais je veux dire de façon officielle, elle n'a jamais été installée. Parce que ce qui est officieux n'est pas officiel. Tu peux faire tous les registres du RDPC, tu ne verras jamais qu'il y avait une sous-section à Bâle. Mais comme il fallait créer la grande section Genève, il fallait qu'on crée des sous-sections en gestation, en attendant de créer la grande section. Ce qui a été fait, cher Trimobel, avec succès. Et nous avons accueilli, je parle encore sous l'autorité de son excellence Binzi, l'ambassadeur, nous avons accueilli à l'époque, celui qui était le premier secrétaire, nous l'avons accueilli avec Trump. Et c'était à Zurich, et j'oublierai jamais. Ce jour-là, c'est Petit Pays qui chantait. Madame la menteuse, toi qui dis que tu es dans le showbiz depuis, ça, tu n'étais pas là. Menteuse patentée. À Genève, à Zurich d'abord, on les a reçus. Monsieur Sadi était là. Une fête immense, énorme. Mba, deux fois, merci. Mba, trois fois même. On l'a reçu avec nos fonds. Bien travaillé. Demande à ton frère Dibli Wabo. Quand tu ne connais pas, demande à ceux qui connaissent. Ils vont te répondre. Et ils connaissent, ils sont pas bêtes comme toi. Parce que toi, tu es comme une pige. Okay, tu répètes seulement les choses qu'on te dit. Tu ne cherches même pas la véracité, tu répètes. Après Genève, après Zurich, on les a accueillis de nouveau à Genève. Et à Genève, c'était Madame Fonny, père à son homme, qui est venue, la maman. Fête grandiose. Je me rappelle encore dans la cour de l'ambassade. Madame Fonny a enlevé 2000 francs suisses. Elle nous a donné. Elle a dit, mes enfants, je suis content. Je suis content, maman. Parce que nous autres, on ne veut pas se faire voir avec les photos, machin. Vous savez, on n'est pas pareil. Moi, je ne veux jamais parler du RDPC. Et pourtant, dans l'histoire du RDPC, si vous allez à Berne, quand on parle de l'histoire de l'installation du canton du RDPC, Jean-Louis Messang, mon nom est là-bas. Moi, j'ai travaillé pour mon pays. J'ai mouillé le maillot. Et bien, avec mes fonds propres, pas zéro fonds du RDPC. Si tu vas à Berne, on te sort les artisans pour la création du parti, la section suisse RDPC. Tu vas voir Jean-Louis Messang là-bas. Tu viens parler à un mec qui a travaillé pour son pays. C'est normal. Est-ce que toi tu es normal? Parce qu'on ne dit pas tout le monde vient pas parler sur Facebook. Parce qu'on trouve qu'il y a que des énergumènes comme vous ici. Vous ne connaissez rien. Depuis que Zuckerberg a créé cette histoire où chacun parle, chacun vient de n'importe quoi. Moi on ne peut même plus parler de vraies choses, ça sert à rien. Qui va comprendre? Il n'y a que des moutons. Comme toi, vous avez créé. Je parle de toi du Timobet. Parce que les justiciers sont sur toi. On a beaucoup d'enquêtes. Vous avez créé des colosses maintenant. Parce que vous êtes en train d'attendre le 25 2025. Vous avez créé des groupes maintenant. Que quand par exemple toi tu es en direct, il vient tout. Parce que vous attendez
Dieu vous prépare 2025. Mais faites attention, on est sur vous. Parce que toi, je vais dire quoi, ta personne, tu ne besoin rien du tout, zéro à cabo. Donc, madame Fonine perd son âme. Elle nous a laissé. Elle était contente de voir que ces jeunes ont rassemblé. On a tous fait des photos, même avec M. Sali. Que les jeunes travaillent comme ça pour rien. Elle a enlevé de sa poche. Elle dit, allez boire quelque chose. Le président même est arrivé. Nous sommes allés à l'intercontinental. Vous, les petits Nyamanyama qui venez aujourd'hui, vous dites que vous... Moi, la mourir est pour le parti, pour le pays. C'est pour ça que quand je vous dis que je suis un légaliste, moi, je ne peux pas attaquer quelque chose que j'ai travaillé. Moi, j'ai travaillé pour l'installation du parti en Suisse. Je ne peux jamais m'attaquer à ce parti. Je ne peux pas. Même si je ne peux pas être d'accord sur quelques fois des choses, mais je ne peux pas m'attaquer. Ça s'appelle le respect, si tu veux. Quand tu as travaillé avec quelqu'un, quand tu as fait des choses, tu restes tranquille, même si ça ne t'arrange pas, tu restes tranquille, tu regardes. Quand tu peux donner un conseil, tu donnes. Mais tu ne peux pas t'afficher négativement quand vous le faites. Donc, madame ou monsieur, il n'y a jamais eu de ce revenu chez vous. Ok? Et il y a deux ans, non, après les élections 2018, il y a eu une tournée à Genève où nous on était rencontrés. Nous, les artisans de la section suisse, nous qui avons travaillé. Nous qui avons travaillé. Parce que nous, non, là-bas, nous connaissons. Même si aujourd'hui, il y a comme les Wabo, Djibril, qui a pris carrément un autre chemin, il est voilà. Il y a nous comme ça, on ne se prononce plus. On n'est plus très politique, mais on est là, les gars. On n'a plus de parti politique, on n'est plus engagé, mais on est là. Il y a des gens comme ça, mais ils reconnaissent que non, ces gars ont travaillé. Regarde, c'est mauvais. C'est mauvais. Regarde ce que j'ai reçu comme cadeau. Après les élections 2018. C'est mauvais. Quand tu iras de nouveau au Cameroun, tu auras des problèmes. Tu vas dire trafic d'influence. C'est toi qui as mis le nom de RDPC ici. C'est toi qui m'as accusé. Maintenant, quand moi je vais me mettre avec le RDPC pour que toi tu prouves ce que tu as dit. Tu viens pas pleurer ici que trafic d'influence. C'est comme ça que vous êtes. Quand vous commencez, vous croyez que voilà. Et quand on vous fouette là où il faut, vous dites trafic d'influence. N'est-ce pas que tu es venu dire que j'ai volé l'argent? Tu as dit non. Quand tu seras au pays, on va en parler là-bas. Tu vas m'expliquer comment moi j'ai volé l'argent d'un parti qui n'a jamais existé. Et que moi je suis un artisan, que les patrons me connaissent. Monsieur Paul Biya est soudi. Il sait qu'il y a un Jean-Louis Messantier qui est en Suisse. Il sait. Quand on parle de la section Suisse, il sait. Il dit mes enfants. Il y a, après les élections, regarde le cadeau. Parce qu'on est passé par l'intercontinental. Comment petit s'est dit souvent Mboudga. 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 Regarde ça. Regarde le cadeau. La reconnaissance. On a dit tu dois garder ça. On nous a donné ça comme ça. On a déjà donné un paquet de trucs comme ça. Avec les effigies. Mboudga, tu as déjà travaillé pour quel parti? Donc je connais. Regarde. Regarde ça. Il n'y a que les proches du chef de l'État qui l'ont. Ce n'est pas le truc du quartier. Hein. Il n'y a que les proches. Hein. Regarde bien les couleurs. Hein. Regarde quand M. Sali. Pour les proches là, on la même chose identique. Regarde. Okay. Donc, je n'ai jamais été trésorier du RDPC. Ouais. Le RDPC n'a jamais eu de sous-section à Val. Vous avez pris des noms des jeunes hommes. Vous avez jeté à la médic populaire comme si vous avez volé l'argent. Aujourd'hui, quand l'homme Kameni vient parler, tu sors pour dire que l'homme Kameni jette les enfants à la médic populaire. Pourtant, toi, tu as commencé à le faire avant elle. Et tu n'étais pas excusé. C'est mauvais. Tu n'étais jamais excusé. Et aujourd'hui, tu viens t'attaquer à elle. Vous savez, c'est-à-dire ça. Quand quelqu'un sait quelque chose, il faut reconnaître le mérite. Ce côté-là, je vous donne le caca. Vous savez verser de l'eau pour éteindre le feu quand on veut déjà toucher un des vôtres. Même s'il est dans l'erreur, même s'il est dit, vous faites tout. Parce que si pifo, on ne l'avait pas calmé. Mais j'ai dit que le candidat est juste la mamie, ça vous. C'est pas encore fini. J'ai dit que Pifo là, c'est le candidat qui est sur la mamie. Mais une chose est sûre, j'apprécie le peuple de l'Ouest. Donc ce côté des gens de l'Ouest, vraiment, je vous donne le jacquard. Ça, bien à faire, vous savez éteindre le feu. Mais elle, son feu n'est pas éteint parce qu'à la base, on a son macabo. Elle a livré, elle c'est le travail qu'elle s'est fait, livrer les gens à la vindique populaire. Livrer. Comme elle a fait à la base, c'est ce qu'elle a fait avec les campagnes d'Andit. Venir dire que oui, c'est la pire argent. Elle fait le relais des fausses informations. Et elle ne vient pas se justifier. Donc tu mourrais. Je t'attends. Tu as dit te laver, non? Je ne veux pas laver ton masque kenyan. Je vais refaire son portrait. Et t'expliquer ce que tu as oublié, ce dont on a parlé. Je dis, va réfléchir. Va rafraîchir ton téléphone. Va le rafraîchir. Quand tu étais au bateau là, va le rafraîchir. Faisais des photos bizarres. Comment le bateau là, vous l'avez eu? Je dis pas. Et vous sortez du Cameroun. Menteuse que tu sois. Retour à la source naturelle. Edmo Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant sous droit de l'Afrique. Bonsoir, l'amour. Écoutez ça. Avec Edmo Exotique, vous avez des produits tout frais, tels que les bobolos, les miondos, les chinkouins, les arachis, les prunes et les avocats. Le dépôt de Edmo Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmo Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90.
Avec Edmo Exotique, c'est la qualité. L'Amérique de Mbalombo, la Belgique. Le pays. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, tu peux liker. Si ça te plaît, pardon, il faut le temps. J'ai un bon mon lecteur. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un cas. Je fais mon direct sur mon iPhone. Ah ouais. Le cœur, le cœur, le cœur pour la veuve. Ouais. DJ veuve, DJ. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui non? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui non? Oh la star, la star. Je suis star, I am the star. C'était son télé jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victor. Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, sur terre, chacun a son couleur de vue. Chacun son téléphone, hein. C'est dans la musique, Samuel et toi aussi au fond mode. Frédéric, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale. Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je veux encore demander que. Toi, c'est qui? Tu es qui? Tu es qui, non? Toi, c'est qui? Tu es qui? Tu es qui, non? Mars au Québec, ce n'est pas un flash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le tien, c'est un coup, tout le monde va t'abandonner avec ton fils. Ah! Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le dire. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Fais le direct. Facebook. Fais le direct. Twitter. Fais le direct. Instagram. Fais le direct. Fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Yeah yeah yeah. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, faut liker. Si ça te plaît, pardon pour mon lecteur. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde devait être ska. Vous savez les deux, fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longue, fais le direct. 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 Filmez-vous, filmez-vous. Filmez-vous. Tout le monde est selfie là. Ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le Rodrigo Mano Sabi. Ne confondez pas le rituel à la Myrienne. On s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. Oh. Ah non! C'est flic! Hey, maman, c'est flic! Hey, hey, c'est flic! Maman, c'est flic! On s'amuse! On s'amuse! On s'amuse! Ah! En direct! Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct! Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct! Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct! Je fais avec mon iPhone! Ah, oh, la vie est beau quand même, hein. Franchement.